Votre Majesté, j'ai quelque chose de très important de causer avec vous. Quelque chose qui vous concerne, votre trône, votre famille ainsi que tout le royaume. Oh non. Si je peux demander, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? Il est vraiment malheureux que votre état de santé s'empire du jour au lendemain. Et juste une très petite chose, la fièvre remonte à tout moment. Et tous nous sommes ici, nous attendons les jours que vous allez répondre à l'appel de vos ancêtres. Oh non, c'est ça le problème. Tu es en train de te plaindre pour tout ça. À part la fonction de Nohu, je suis le premier ministre traditionnel de ces royaumes. Je suis également votre ami préféré. Cela veut dire, nous avons un long parcours. C'est la raison pour laquelle je suis inquiet de tout ceci. Les querelles de la famille vont jusqu'à la prochaine lignée de la tradition. Votre Majesté, vous devez trouver des voies et moyens pour gérer sur l'un de votre fils, pour succéder au pouvoir. Pour mettre fin à cette guerre qui crée la divergence entre eux, Votre Majesté. Le problème est qui parmi mes fils sera le futur roi, le prince Uzadema. Et si je peux te demander, Olao, comment devais-je m'y prendre avec tout ceci pour ne pas entretuer des gens? Oh non, toutes ces choses, je le remets à Emma. Mais je vais bientôt mourir triste. Mes deux fils sont l'un envers l'autre proches et se battent du jour au lendemain pour mon trône. Je n'arrive pas à comprendre que ce soit votre femme ou le docteur devrait nous dire entre les deux princes qui est grand par rapport à l'autre. Tout le monde dit qu'ils ont été mis au monde le même jour, au même moment. Comment? Et c'est ça le problème, mon ami Ono. J'aurais dû instruire un de mes deux fils à comprendre la royauté quand ils étaient encore jeunes, comme la coutume nous le demande. Mais c'est qui l'aîné? Et mes femmes ne me facilitent pas la tâche. Elles toutes me rendent la vie dure, mon ami. Fils, Qu'est-ce que c'est? Ono est là. Et alors? Il est toujours dans la chambre de ton père depuis qu'il est venu. Quoi? Il n'y a pas de doute. Ça concerne le trône. Je sais que Ono ne m'aime pas. S'il ose commettre cette erreur de pouvoir donner le trône à mon frère Chukudi, je lui rendrai l'ascenseur. Je vais vraiment le haïr qu'il n'en comprendra pas la source. Non, calme-toi. Il ne peut pas le faire. Mère, je voudrais te demander ceci. Ok. Pourquoi est-ce que Ono me déteste beaucoup? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux qui dépasse tout entendement?
Excuse-moi. Entrez. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour, Nou. Bonjour, docteur. Docteur Frank, n'es-tu pas fatigué de toujours venir ici pour soigner un homme qui est sur le point de mourir? Nous tous ici, n'est pas question de soins médicaux qu'on peut donner à un homme qui n'a plus intérêt de rester ici. J'aurais bien compris, Votre Altesse, mais aussi longtemps que vous continuez à respirer, nous ne nous arrêterons pas, Votre Altesse. Votre Majesté, vous devez être trop patient. Vous ne pouvez pas parler ainsi. Attendez jusqu'à ce que nous allons résoudre le conflit qui règne dans le royaume. Igwe. Entrez. Bonjour, mon prince. Bonjour, mes princesses. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tiens. Ono lui a dit de jurer en honneur de princesse et de prince pour la royauté. Alors, c'est quel prince qui prêtera serment pour être couronné roi? Il n'a encore rien dit. Ils sont en train encore de discuter sur le profit qui existe entre les deux princes. Mais jusque-là, ils n'ont encore rien dit, donc il n'y a aucune décision qui a été prise. D'accord, c'est bien, tu peux partir. Merci, ma princesse. Reviens ici, rassure-toi que personne ne le sache. Oui, ma princesse. Tu peux partir. Pourquoi? Pourquoi il est difficile que mon père me reconnaisse étant fils aîné? Pourquoi il ne peut pas me prendre et gérer devant les hôtes de la royauté? Je veux dire que c'est clair. Ne suis-je pas grand que Ozodima? En regardant mon apparence, mes qualités, mes activités et tout ce que j'ai fait, pourquoi papa ne me reconnaît pas que je suis son fils aîné? Je t'ai demandé de ne pas te déranger. Maman nous avait raconté ce qui s'était passé lors de votre naissance. Il avait dit que tu étais le premier à naître avant que la mère de ces bâtards ne les mène au monde. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Il a dit qu'il préparait leur jubilé de nuit de noces. Ah, je souhaite que maman soit là pour nous rejoindre de combattre cette bataille. Et on ne peut pas perdre. Tu connais. Tu es le premier fils de papa. C'est toi qui es supposé remplacer dans le royaume de Ezundo. Et le prochain grand ticket. Oh oui. Je suis la prochaine victime. Et jamais je ne permettrai à quiconque prendre pleinement ce qui m'appartient. Jamais. Et quiconque essaiera de s'interférer, cette personne aura les conséquences néfastes. Néfastes. T'inquiète, nous sommes toutes fortes derrière toi. Personne ne te le ravira. On ne le permettra pas de prendre ses trônes. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Point final. Oh, Prince Ozodima, comment vous allez? Arrête cette aventure, Ono. Quoi? Je connais exactement ce que tu prépares. Tu essaies d'influencer mon père, de choisir mon frère Chukudi comme son successeur, n'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune homme? Je t'interdis de m'adresser la parole de cette façon, Ono. Je suis le prochain roi de ce royaume. Tu dois m'adresser avec beaucoup de respect. Je ne sais pas si vous avez l'accès au trône.
Je prends congé de vous, prince. Tu ne bouges pas d'ici car je te parle encore, Onohu. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre toi et ma mère que tu as colporté vers moi aussi. Que tu m'aimes ou pas, cela m'importe peu. Je veux simplement te dire que... garde tes distances de ma maman et ma famille, Onohu. Je pense avoir été clair. Stop! Si! Je te préviens maintenant, Onohu. Sinon, tu ne sauras jamais ce qui t'arrivera. Aïe, c'est quoi? Aïe! Aïe! Ichi Okore, ta façon de danser est comme quelqu'un qui a gagné la loterie. Dis-moi, c'est quoi la raison de ta joie? Ça c'est plus quand même la loterie. Oui, regarde mon ami, laisse-moi te dire. Les combats de mes ennemis, c'est à propos d'apporter ses pouvoirs dans ma famille. Tu sais, les Igwe mourra bientôt. Et la bataille entre les deux princes ramène la royauté ici dans cette famille. Et je suis la personne la mieux placée. Oh, c'est vraiment à cause de tout ça que tu danses. Hein? Ichi Okore, tu vois, je suis heureux que Igwe Genga et sa famille ne seront pas prêts à faire le nécessaire afin d'être le prochain roi. Parce que je sais que je serai le prochain Onohu si seulement tu deviens le roi. Bam. mais je te conseillerais de ne pas chanter la victoire tôt. Parce que je veux que tu le fasses avec conscience. Parce que Igwe Genga ainsi que sa famille peuvent résoudre leurs différends demain et la royauté pourra rester de leur côté. Tu ne sais pas à propos de quoi tu parles. Qui vont régler les différends? La famille des Igwe peut le faire? Non. Bientôt, les Igwe mourra. Celui qui aura la victoire de la bataille et de ma famille. C'est mieux que tu commences à te préparer pour être le prochain Onohu. Tu dois me soutenir pour concrétiser notre rêve. Ichi Okui, quand je regarde de près la situation qui se passe dans la famille du roi, me fait réfléchir. Pourquoi est-ce que des choses comme telles ne sont pas facilement résolues? Disons que les dieux veulent me favoriser. Parce qu'en regardant les choses, mes ennemis ne réussiront pas. Tu sais, m'a fait oublier que tu es l'écola. Et commençons la célébration avec l'écola. Apparemment, il y a des gens qui aiment me troubler la paix dans mon palais. Regarde-toi. Très confortable ici. Ainsi, Nagigwe. Abigawe Diza. J'attends avec les hommes. La honte. Honte à toi. Maintenant, écoute-moi très bien, madame. Si tu t'es fait des illusions que moi, princesse Adora, la première princesse de ce royaume,
Je quitterai ce palais pour que ton stupide fils puisse jouer de mon frère. Là, tu n'as qu'à aller te faire foutre. Parce que je n'irai nulle part. Je serai ici avec vous. Je vais m'asseoir et voir que mon frère soit couronné roi. Parce que c'est la très bonne position, comme le dit la tradition. Regardez et regardez très bien. Lorsque les fous parlent, ils ne disent que de bêtises et de sottises. Peut-être que tu dois aller demander à ta défunte mère des sorcières la vraie histoire cachée de la naissance de ton frère. C'est toi la sorcière. Oh, wow, c'est depuis quand que tu appelles ma mère sorcière? Tu l'as entendu? Et toi prostituée. Tu penses qu'on ne sait pas que tu as tué maman? Peut-être qu'elle ne sait pas. Sorcière. Comment oses-tu? Jusqu'à quand ce combat ira? Qui va les stopper? Rien qu'Ifoma qui l'avait fait. Et maintenant, regardez-moi. Salut, Nohou. Salut. Gloire à Dieu que je t'ai rencontré. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Le palais est en feu au moment où je te parle. Le docteur est en train de se battre. Ah. Ils se battent tous et lolo. Oh, ces gens vont tuer cet homme. Et ce roi n'est pas en bonne santé. Partons, partons, partons. Hé, hey, ils ont commencé encore, hein? C'est presque tous les jours que je suis appelé pour venir régler vos disputes. Votre papa est critiquement malade. Mon frère est mourant. Ce que vous avez choisi à faire, c'est d'augmenter encore
les douleurs qui vont encore aggraver sa maladie. Je devine un peu. Je crois l'idée est de les tuer avant son temps, c'est ça? Qu'est-ce que vous aurez si cet homme meurt? N'avez-vous pas honte? Vous embarrassez vous-même devant vos bonnes et gardes? Regardez-vous tous, vous êtes habillés, étant de la famille royale. Mais permettez-moi de vous rappeler que le palais est une place de la royauté, mais pas les lieux de faire les catchs. Comment ça a été? Vos gardes sont venus m'appeler. Gloire à Dieu que tu sois venu à temps. Et sinon, je ne sais pas ce qui allait arriver. Je suis fatigué de ce qui se passe dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Votre Majesté, vous ne pouvez pas les abandonner. Ils constituent votre unique famille. Depuis que toute cette crise refait surface, et surtout que ce soit autour du trône, je pense qu'il est vraiment temps de laisser ce trône dans notre famille. C'est vrai? Oui, je crois que je serai en paix. Votre Majesté, nous trouverons le voisin moyen pour couronner l'un d'eux, pour maintenir ce trône dans cette famille. Alors, qui d'entre eux? Comment vas-tu t'y prendre avec celui qui ascendra? N'est-ce pas la genèse de tout ceci? Sidoubène, qu'est-ce qu'il y a? Tu es de retour? Tu n'es pas de bonne humeur, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je suis malade et fatigué de tout ceci, je suis malade et fatigué. Rien ne marche avec moi. Oh. Tout ce à quoi je touche, maman, échoue. Je suis fatigué. Mba. Viens ici, nous allons parler, s'il te plaît, mon fils. Viens ici. Qu'est-ce que tu as comme ça, mon fils? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes à tout moment? Maman, je dois quitter ce village, maman. Je dois seulement quitter ce village. Rien ne marche avec moi. Maman, tu peux voir ça, hein? Ah ah. Pourquoi? Pourquoi cette humeur? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Chidoubem. Regardons les conditions du roi et ce qui ne marche pas dans sa famille. En tout cas, j'ai vraiment pitié. Oui, de même que moi. Il ne mérite pas ce qui se passe maintenant dans la famille. Igwe Ikenga, le roi, c'est un homme bien. Il nous traite comme ses fils. Je souhaite que les dieux aient pitié et trouvent une solution permanente de ce conflit d'âge entre les deux princes. Telle est ma prière. Telle en est ma prière. Mais, laisse-moi te demander, as-tu des accointances avec la défunte Lolo? Où elle était l'amie à ta maman? Bien, reine Gucinho était l'amie à ma mère. C'est la raison pour laquelle je travaille ici en tant que garde. Voilà, c'est pourquoi tu as une façon différente de voir les choses. Hein? Bien, ce que ma mère m'avait dit. Roi Ikenga avait épousé la reine Gucinye comme sa première femme. Après avoir fait plusieurs années de mariage, ils n'ont pas pu avoir l'enfant. Comme je le sais, et ce problème les avait beaucoup troublés. Attends, tu veux dire que la défunte Lolo Uzo Chichinere était la maman de Chukodi?
princesse Adora et princesse Joanna. Oui, quand il vit que la défunte reine Boutigny n'a pas conçu pour donner au roi un enfant, le roi s'est marié à la reine Ifoma. Bizarrement, toutes deux ont conçu au même moment et donné naissance à leur bébé le même jour. Ils sont tous garçons. Mais si tel en est le cas, qui est-ce qui était né avant l'autre? Ça, je ne sais pas. Mais on nous avait dit que la reine Ifoma était la première d'arriver à l'hôpital. Elle était venue le matin. Et on attendait la préparation de certaines choses. Le dernier moment d'aller dans la chambre d'accouchement. On nous avait dit qu'elle était là depuis le matin jusqu'au soir. C'est la raison pour laquelle la reine était arrivée et amenée directement à la chambre voisine. Immédiatement, la reine Ifoma était amenée de l'autre côté. Et elles ont toutes accouché dans une même salle? Non. Comment ça? Elles avaient accouché dans le même hôpital, mais dans les différentes chambres à coucher. C'est vraiment incroyable, mais c'est comme ça que ça s'était passé. Non mais waouh! Attendons voir. Salut, beauté. Salut à toi, Steven. Je t'avais demandé auprès de ta mère la fois dernière. Pourquoi est-ce que tu continues à insister sur une cause perdue? Je te dis, je n'ai rien à faire avec toi. Je ne peux pas rester avec toi. Ah, je demande pourquoi, hein? Dis-moi pourquoi. C'est juste ce que tu demandes? Ma princesse. S'il te plaît, accorde-moi un moment, pardon. Excuse-moi. Je n'abandonne pas. Et je ne vais pas abandonner jamais. Alors, ça jamais. Heureusement que tu sois de retour. Ouais. Heureusement que tu sois de retour. Hey. Salut toi. Bonjour grand frère. Comment tu vas? Je vais bien. Bien. Je vois que tu prends de l'air. Hein? Exactement. Grand frère, je veux qu'on parle un peu ensemble. Qu'est-ce que c'est? Tu connais Steven, le fils du capitaine Ogogo? Ouais, ouais. Ce gars ne me donne même pas un peu de l'espace. Et que veut-il? Il a fait. Il est en train de me proposer. Il n'est même pas de mon niveau. En fait, je... Ce n'est pas une mauvaise personne. Du moins, je le connais. Et son défunt père, capitaine Gogo, était une très bonne personne et tout le monde l'aimait. Et si son fils veut de toi, je crois pas que c'est une mauvaise idée, hein. Ouais, je sais tout ça. Mais il a proposé Joanna. Et je ne sais pas vu où ils ont rompu. Je ne veux pas avoir de problème avec Joanna. Attends d'abord, d'accord, attends. Et tu le rejettes à cause de Joanna? C'est ça? Quelle bêtise! Et s'il t'est dit qu'il a rompu avec elle, tu dois lui croire. Et l'accepter. Cela veut simplement dire qu'il te donne de la valeur plus que Joanna. De quoi parles-tu?
Tu suggères que je l'accepte? Exactement. Ok, merci. Je suis à l'intérieur. Alors, c'est bon. Maman, je veux te poser une question. Maman, suis-je maudit? Tufia, quoi? Comment peux-tu être maudit? Pourquoi tu demandes ça? D'où est-ce que ça provient? Maman, sais-tu qu'il y a maintenant 15 ans que nous avons fait les mêmes études, Emenike et moi? Je le sais bien. Maman, hormis cet aspect de vie auquel je ne me suis jamais absenté, je continue toujours à faire autre chose pendant mon temps de congé. Je vais au champ pour travailler pour les gens. Je puise de l'eau pour les gens. Mais après toutes ces choses, qu'est-ce que je peux gagner? Absolument rien. Ok, maintenant regarde Emenike, avec qui on a vécu la même chose. Emenike a maintenant 3 enfants et une femme. Maman, dis-moi, qu'est-ce que j'ai? Absolument rien. Maman, je suis fatigué. Comment puis-je être en train de travailler comme un lion et gagner comme une poule? Chidoubem, qu'est-ce qu'il y a? Ne te compare pas aux gens. Tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Ta destinée est différente des autres. Pourquoi est-ce que tu te plains? Tu as une belle future. Regarde ton père là. Regarde là où ton père a été enterré. Il avait beaucoup souffert avec moi. On vivait ici sans rien, juste avec une petite maison. Mais à la dernière minute de sa vie, il a pu construire cette maison. Et t'avait élevé jusqu'au niveau où il t'avait laissé jusqu'à ce qu'il était mort. Et je sais peu importe où il se trouve aujourd'hui. Il est en train de te surveiller. Alors ne te dérange pas, ça ira très bien. Ne te dérange pas. Tu n'es pas maudit, oh, Pico. Maman, j'ai essayé, maman. Tu travailles maman, beaucoup, essayé, je le maman. Sais. Quand viendra ce temps, maman? Quand viendra ce temps? Maman, tu vois, tu as détruit mon vie. Tu m'as parlé de cette même chose quand j'avais encore 10 ans, maman. Dis-moi. Akidi, nous sommes animés de notre doute. Il y a certaines choses qu'un homme doit gagner, mais à cause de la peur pour l'atteindre, il les perd. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Peu importe la qualité de ton accréditation, tu as besoin d'un caractère de qualité pour construire ta destinée. Ce que tu es, et plus grand que ce que tu voudrais devenir. Tu sais, il y a certaines choses qu'un homme doit faire. Et moi, Prince Chukudi, je crois fortement que tout ce qui est possible passe directement par un arrangement. Le doute est quelque chose qui demeure dans la vie de l'homme. Mais quand un homme est assez courageux de mettre de côté les doutes et la peur dans sa vie, toute chose qui est en dessous des nuages est possible. Avant que l'opportunité frappe sur la porte de quelqu'un, elle commence à soulever premièrement l'adversité pour voir quel type d'homme elle va s'opposer. Prince Chukudi, que cherchez-vous devant le sanctuaire de Krekrenzoko? Akidi, tu le sais bien que je suis la prochaine victime, sans doute. Comme je venais de le dire, tous ces dons passent par deux arrangements spéciaux. Toi et moi savons que mon père est vraiment malade. Le roi de cette terre est vraiment malade. Il mourra et rejoindra ses ancêtres dans peu de temps. Même quand nous parlons, nous ne savons pas s'il peut mourir aujourd'hui. Et s'il meurt, sans pour autant mentionner l'un d'entre nous comme son successeur, ça n'ira pas bien.
Maintenant, tu sais de quoi je suis ici. Je veux être le prochain roi de ces royaumes. Prince Chukwudi, tu connais déjà notre procédure. Telle que ça a été avant même que nous soyons nés. Aucun ne peut le changer. Akidi, je sais que tu es un homme intelligent. Tu es le fantôme. Le fantôme, c'est toi. Ils te parlent et tu les écoutes. Tu leur donnes le message. Ils écoutent et croient, même si tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Akidi, tu peux faire quelque chose à propos. Tu peux fabriquer quelque chose, mon ami. Tu peux venir au palais pour me nommer le prochain roi de ce royaume. Tout le monde te croira parce que tu es Akidi. Et je ne peux pas le faire simplement avec les paroles, mais je suis venu avec l'action. Akidi, dans ces enveloppes, vous avez $200,000 cash. Alors, tout cet argent est à toi. J'ai besoin que tu fasses un travail propre. Tu viens de commettre un geste abominable. Et si vraiment tu es le premier fils de Gwenkinga, pourquoi oses-tu alors me soudoyer? Va alors continuer ce combat que tu as choisi d'engager. Parce que personne ne s'est fait roi, hormis les dieux. N'ose jamais empiéter ton chemin à cause d'argent. Les dieux, leur colère désastreuse. Maintenant, pars. Je suis sûre que Akidi va maintenant accepter l'argent que Tuko doit donner. Je te dis que c'était une idée très parfaite. Chaque homme a ses préférences. Il suffit de connaître ce qu'il veut et donne-le lui-même fois deux. Il ne dira pas non. Mais c'est bien. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas cette idée depuis longtemps. Avec cette idée, Chikudi serait le successeur de papa. T'inquiète, juste un peu de temps que notre papa est encore en vie. Ouais. N'est-ce pas? Finalement, on a entendu une bonne nouvelle. Oh, oui. Grand frère. Comment ça a été? Akidi a rejeté l'offre. Il m'a dit de quitter dans son sanctuaire satanique. Attends, quoi? Tu veux dire que tu l'as donné cette somme d'argent et il a dit non? Oui. C'est difficile à comprendre. Est-il en train de vouloir cacher quelque chose? Je ne sais pas. Vous savez, je pense Uzodima et sa mère sont allés là-bas. D'ailleurs, je ne pense pas, je sais. Parce que ça se voyait clairement. Oui, je sais que Uzodima et sa mère sont allés là-bas le voir avant nous. Parce que de la façon dont Akidi s'est comporté, je lui voyais, je lui parlais. Il s'est comporté bizarre. Sa façon de parler, la façon dont tu parlais et faire autre chose, c'était clair qu'il y a quelqu'un qui nous avait précédé. Aucun homme ne peut rejeter cette offre. Je veux dire, aucun homme avec ses bons sens ne peut le faire. Ah, ok. C'est bon. Je veux dire, si Uzuma et sa maman est comme tous les deux autres, nous devons chercher d'une autre façon. Ça doit être d'une autre façon, ok? Exactement. Ça doit passer par un autre moyen parce que je ne peux pas permettre à ces fous. Je ne peux jamais permettre à ces lâches de devenir le prochain roi de ce royaume. Ce n'est pas possible quand je suis en vie. Jamais. Cela ne se fera jamais. Jamais tant que je serai en vie. Ce garçon ne sera couronné roi de ce royaume. Maman sera déshonorée de nous. Exactement, c'est à propos de ça que je parle. Maman aura honte de moi. En particulier parce que je suis son fils aîné. Jamais, ça ne peut pas se faire. Je suis supposé devenir le roi. J'ai le plein droit d'être roi de ce royaume. C'est mon droit, vous le savez très bien, c'est mon droit. Je suis le mieux placé pour diriger ce royaume. Tout le monde sera content et en paix. Parce que j'ai le pouvoir, je le sens qui circule dans mes veines en tant que roi. Je suis né roi.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je suis supposé être le roi de ce royaume? Ouais. Parce que tu es le prochain grand Tim. C'est vraiment rabaissant pour quelqu'un appartenant à la famille royale de lui rendre visite au grand prêtre, lui disant de sottises. Et cela est vraiment rabaissant. Surpris? Tu étais supposé connaître les interdits. Est-ce que c'est ce que tu as entendu ou les grands prêtres te l'avaient dit? Bien, pour ton information, si tu peux savoir, ça c'est un grand mensonge. Je vais dire pourquoi. Pourquoi je vais chercher l'assistance de quelqu'un tant que je veux prendre ce dont je veux et tout ce que je veux est à ma disposition. Et Chikudi, pour ton information, ce que tu as pu commettre est connu par tout le royaume entier. Tu étais censé rester sur ta bande. Il est évident, n'est-ce pas? Il est vraiment évident que tu sois parti les soudoyer. Mm-hmm. Et si ce n'est pas toi, le garçon aîné, et justement devant tes yeux, alors que tu seras vivant, où tu me verras couronné comme roi de ce royaume. Après ma mort, tu ne peux jamais être couronné le prochain roi de ce royaume. Tu sais pourquoi? Parce que je suis la prochaine victime. Vraiment, on verra. Il sera évident que tu trouveras ta mort après mon mort. Allez-y là-bas et assieds-toi, apporte ton téléphone et commence à jouer sur Instagram et autres réseaux. Un fou. Inutile. Un garçon irraisonnable, sans valeur. D'être couronné prince, celui qui va te diriger quand le moment viendra. Pardon, sois gentil avec moi. Juste comme Moïse de la Bible. Tu as eu la capacité de voir la terre promise. Malheureusement, tu n'auras jamais cette opportunité. Celle d'y entrer. C'est triste. C'est comme ça. Mais tu seras en vie jusqu'à ce que tu le verras à son thé. Grand mensonge. Grand mensonge. Tu n'as rien. Mais un menteur. Écoute, tu es rien. Mais je dois attendre. Un lâche, c'est ce que tu es. Tu es nul. Et je serai le prochain roi de ce royaume. Tu sais pourquoi? Parce que je suis la prochaine grande chose. Alors, si tu veux m'adresser à la prochaine fois comme un nouveau roi, incline-toi.
Tu es inutile. Tu es rien d'autre qu'un lâche. Mais écoute, écoute-moi très bien. Tu dois rester loin de moi parce que tu vois ces trônes. Parce que si je te vois à la prochaine ici, tu n'accepteras pas ce que je te ferai. Ce qui va t'arriver dépassera ton entendement. Excuse-moi. Peu importe ta taille, je serai toujours couronné. Moi, le roi, je ne vais pas me soumettre à ta stupidité. Celle que tu sors de ta bouche. La royauté est dans mon sang. Mais je peux t'assurer une chose. Tu seras en vie quand je me verras sans des troubles. Mère, et qu'est-ce que tu as? Tu sais, s'ils ont résolu de faire cela, alors nous devons leur donner plus que leur argent. Nous ne pouvons pas nous reposer pour cette affaire. Nous devons leur montrer que nous sommes au courant de tout ce qu'ils ont fait. Obligé. Ce trône t'appartient. Tu dois succéder à ton père. Ce garçon, Chukudi, semble avoir quelque chose derrière la tête. J'ai le pressentiment que quelque chose ne va pas. Il prépare quelque chose. Oh, l'argent. Alors nous aussi, nous devons commencer notre jeu. J'ai un nouveau plan dans mon agenda. Tu vois ces trônes? Tu t'asseyras déçu. Ça doit être ainsi. Mon fils, le nouveau roi du royaume des Ido, tu auras ces trônes. Ça doit être ainsi. Calme-toi. Ma princesse. Oui, oui. Tu sais que j'aime toujours voir ton beau visage. Cela me fait du bien. Salut, ma princesse. Ne la regarde pas. Sens-toi à l'aise. Comment est-ce que ça sera? Ça se passera bien alors. Vraiment? Ok, je ferai quoi faire.
Oui, je vais appeler pour quelque chose. Ah, laisse-moi te rappeler plus tard. Grande sœur. Tu ne croiras pas ce que je veux. Quoi? Es-tu au courant que Steven est avec cette bonne Ariane qu'on appelle Salima? Quel Steven? Ne dis pas ça. Où? Comment? Comment? Donc parce que tu n'as plus rien à faire avec lui, qu'il a vite couru chez cette bonne Ariane, et elle aussi gourmande qu'elle est, elle a rapidement accepté. Ce n'est pas du tout possible. Où est-ce que tu les as vus? Ils sont ensemble au moment où nous parlons. Où? À l'extérieur, ici au palais. Pas oser sortir avec cette bonne Ariane, cette fille qui n'a même pas de classe. Où vas-tu? Entre. Steve, c'est quoi cette apparition? Quoi? Qu'as-tu attendu? Que tu étais là avec ma petite sœur. Je savais pas que j'avais cette liberté de voir quelqu'un de mon choix. Oh. Allez, Steve. On avait juste un petit problème. Et on pouvait le traiter aussi rapidement. Même s'il fallait me tromper, fallait que ça soit avec cette truie. Princesse Joanna, il est grand temps que tu comprennes que j'ai tourné la page. En fait, j'ai toléré tes bêtises depuis des années. Je ne peux plus continuer comme ça, je t'avais dit. Steve, s'il te plaît. Steve, tu ne peux pas faire ça. Steve, tu sais combien je t'aime. Tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, Steve, je t'en prie. Ma princesse, j'espère que tu comprennes. Je ne voudrais plus rester là en train de gober tes excès. Ok? Je ne peux continuer comme ça. Steve, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Et s'il te plaît, tu peux partir. Parce que moi, je suis parti. Je ne peux pas partir parce que je t'aime, Steve. Et s'il te plaît, tu peux prendre la porte quand tu auras fini, ok? Steve, s'il te plaît. Steve! Steve! Tu vas te faire du mal. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux le perdre pour quoi que ce soit. Et pas spécialement pour cette Vera. Ne supplie pas un homme pour l'amour. S'il a dit qu'il ne veut plus de toi, il n'y a pas de souci. Sois tranquille. Aucun homme ne doit mériter des larmes. Alors, tu essaies de me dire de quitter Steve pour cette petite pétasse? Jamais. Si tu peux la voir, rassure-toi que tu l'auras. Ok? Ne pleure pas.
Écoute-moi bien. Ce dont nous avons besoin dans ce royaume, c'est la paix. Et je te conseille de régler ces différends qui règnent entre vous deux par la voie de paix. Onohu, qu'est-ce que ces bâtards sont en train de foutre ici? As-tu aussi invité? Prince Chukudi, pardon, calme-toi. Ce que je fais, c'est pour ton intérêt et pour le bien de notre royaume. Pardon. Salut. Je vous ai salué parce que je vous dois du respect. Mais pourquoi? Pourquoi tu as invité? C'est fou. Pourquoi vous avez invité? C'est fou. Chez vous et vous savez bien que je viens. Pourquoi? Pourquoi vous avez invité? C'est fou! Comment oses-tu t'adresser à ton futur roi avec ce manque de respect? Un peu de respect, petit garçon. Dans ta prochaine vie, tu crois que tu seras le roi? Jamais. Même dans ta prochaine vie, tu ne le seras pas. Tu ne peux jamais être le roi de ce royaume. À ce qui me concerne, je suis la prochaine victime. Pardon. Quand je te parle la prochaine fois, tu dois fermer ta bouche. S'il vous plaît, calmez-vous. Regagnez votre place. Pourquoi tout ceci? Ça n'a pas d'importance. Pardon. Asseyez-vous, mon prince. Pardon, mon prince. Onohu, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis invité ici. Ça devient très important. J'ai trouvé bon de s'asseoir pour causer ensemble. Nous devons parler, pardon. Vous voyez, il est très important que vous deux, le fils de Igwe Ikenga, vous commencez à voir ce problème au-delà de ce que vous entendez. Vous devez commencer à penser à critiquer ce problème, mais pas vous battre. C'est pourquoi je rappelle que si ça continue de cette façon, ce particulier trône va quitter votre famille pour une autre famille. Et pour moi, ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible si ça s'est fait. Tel est mon avis, Onohu. Mais personne ne prend soin d'en parler. Et si on prend ça à la légère, ces trônes seront portés à une autre famille. Et cela ne pourra arriver qu'à ma mort. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait appel à cette réunion. Pour que vous deux vous régliez vos différends. Pour que nous adoptions un autre roi pour succéder au trône aujourd'hui. Onohu, je n'ai jamais su que vous êtes très intelligent. Vous êtes un homme sage. En plus, les applaudissements pour merci. Vous. Bravo, merci. Bien, je vais me nommer moi-même. Être le prochain roi de ce royaume parce que tout le monde sait que je suis la prochaine victime. Comment oses-tu te nommer le prochain roi de ce royaume? Alors écoute-moi. Après mon père, c'est moi le roi. Je suis le futur roi, est-ce que tu comprends? Et pourquoi est-ce que tu cherches toujours à me faire des souris? Est-ce que tu es capable de me faire des souris? Moi qui serai le roi et non toi. Si je touche à toi, c'est moi le roi, pas toi. J'ai le sang de la royauté dans mon corps. J'ai quelque chose à te dire. J'ai entendu que les avaient la réunion avec Onohu. Aujourd'hui. Et tu es au courant? Qu'est-ce que tu espérais? Donc, ne sais-tu pas que ce sont des forces démoniaques qui contrôlent ces princes? Elles sont très fortes qu'elles ne peuvent pas les rendre raisonnables. J'ai peur. Avant que la crise autour du trône soit finie, il ne faut pas les laisser s'entretuer. Ichi, cela s'est fait à ma faveur. Les trônes de ces royaumes quittent graduellement Ikenga et sa vie à moi au courrier. Et ça, c'est vrai, hein? Et le poste de Onohu est en train de venir vers moi graduellement et j'en suis impatient.
Tu sais que tu es mon ami que j'aime. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour vraiment actualiser mon rêve. Bam. Si je deviens le roi, tu sais que tu vas te réjouir avec moi. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours les fistrer. Bam. Nous devons ajouter beaucoup plus d'huile sur le feu. Ces gens doivent continuer à se battre, à se tirailler pour qu'il n'y ait pas la paix là-bas. Oui. Soutiens-moi. J'ai une nouvelle stratégie telle que je vais utiliser. Mes oreilles sont toutes ouvertes. Parlons-en. Je suis avec toi sur toute la ligne. Écoute, je vais éliminer l'un d'entre eux. C'est très bon. Maria et Gloria. Donc vous deux, vous êtes ici juste pour préparer? Oui, ma chère. Tu n'as pas d'idée sur ce que j'ai préparé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut préparer dans quelques minutes. C'est tellement délicieux. Alors calme-toi, bientôt je veux finir. Mais, s'il te plaît, faut lui dire. Elle pense qu'on est en train de préparer riz blanc. Pardon. Les filles, faites rapidement. Vous devez préparer aussi notre nourriture. C'est sérieux. S'il vous plaît. Aide-moi s'il te plaît, goûte ça. Ça m'est égal. Fais juste rapidement. C'est tellement délicieux. Je te jure, prends. Excuse-moi. Vite, ma chère, dépêche. Notre princesse va bientôt mais se fâcher. Mais elle aussi. Est-ce qu'on est en train d'utiliser nos temps pour préparer cette nourriture? C'est pas quelque chose qu'on doit nous presser pour préparer. Tu peux encore le dire, ma chère. C'est toi? Grande sœur. Salut. On ne t'a pas encore servi? Pas du tout. Et j'ai tellement très faim comme tu me vois. S'il te plaît, comme tu es en train de sortir, va à la cuisine, dis-leur de se dépêcher vite. J'ai très faim. Ok, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais comment tu as très faim comme ça? C'est toujours comme ça. J'ai très faim. Ok, c'est bon. D'accord. J'arrive. Si tu vas là-bas, tu vas les trouver en train de rire. C'est comme ça qu'elles sont. Oh, j'ai tellement faim. Oui, j'espère que tu vas bien. Alors, on doit résoudre cette affaire de cette façon. Alors, tu sais quoi, je suis vraiment désolé pour ces désastres. Ok, bon d'accord, c'est bon. Alors, ok, ça ne dérange pas. Je crois que ça va aller, d'accord. Et surtout pour le reste, je m'en charge. Ne t'en fais pas, je suis là pour toi. Les filles, qu'est-ce que vous préparez comme ça? Et pourquoi ça prend trop de temps comme ça? Désolée, on est presque à la fin. On était en train de faire une petite sauce. Voilà pourquoi ça a traîné. Désolée. Oh, ok. Ma sœur a vraiment faim. Ok. Excepté si vous voulez le voir mourir de faim. Non, ma princesse. Dans ces cas, dépêchez-vous. Ok, on arrive très bientôt. Merci. Dépêchons-nous. D'accord. Et parce que tu sais que je suis le prochain roi, je ne voudrais absolument pas de problème. Hein? Et je dois diriger très bien mon royaume. Et Chukudi n'aura pas de choix que s'agenouiller devant moi. Bon, c'est tout à fait normal. C'est moi le roi. Et je vais m'imposer sur toute la ligne. Parce que j'obtiens toujours ce que je veux. Car dans un royaume comme celui-ci, lorsque vous n'êtes pas de s'imposer, vous finirez par être détrôné. Alors, je crois que je vais bien diriger. Non, mais je te dis, pendant mon règne, je vais faire vivre à mon royaume un grand essor, un grand apogée. Et c'est comme ça.
mon prince. Bon après-midi, mon prince. Et vous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nourriture de la princesse Adora. Un poulet pour la princesse Adora. Oui, mon prince. Oui. Alors, je dois voir ça. Ça paraît vraiment appétissant. C'est exactement ce que je voudrais manger. Écoutez, vous pouvez aller dire à la princesse Adora que le futur roi a dû prendre ce plat et dites-lui que je l'ai confisqué. Et dans l'entretemps, vous pouvez aller préparer autre chose pour la princesse Adora pour qu'elle mange. Et toi, apporte-moi un verre de jus. Mais quoi? C'est un ordre. Avez-vous autre chose à dire? Non, mon prince. Eh bien. Mais c'est quoi ça encore, hein? Ça, ce n'est pas du tout bien. Qu'allons-nous donc dire à la princesse Adora? Sérieusement, ce prince est en train de chercher le trouble ici. Absolument. Eh mon Dieu! Goûte ça un peu. Ozo! Waouh! Oh, vous vous réjouissez ici? C'est quelque chose de... Maman, laisse-moi te dire, c'est très bon. Mais qu'est-ce qui retient ces filles? Juste un poulet ordinaire. Pourquoi est-ce que ces filles préparent le poulet pendant un très long moment, hein? Si seulement je le croise là-bas, elles ne vont pas m'aimer. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. La princesse Adora va nous tuer. Qu'allons-nous donc faire? Oh mon Dieu! Maria et Gloria, où est le poulet que je vous ai demandé de préparer pour moi? Ça fait 2 heures maintenant. Êtes-vous devenus des sourdes et des muettes? J'ai dit, où est le poulet? Je suis désolée, ma princesse. On l'avait bel et bien préparé. Au moment où on vous l'a porté, le prince Uzodema, il nous l'a ravi. On est désolé. Désolé, ma princesse. Nous sommes désolés. Qui a fait quoi? Ne lui avez-vous pas dit quelque chose? Nous l'avons fait, ma princesse. Nous l'avons fait. Mais il nous a dit de te dire que le futur roi l'a pris. C'est quelle espèce de bêtise? Où est-il maintenant? Il est là-bas en train de manger. C'est quel genre de bêtise? C'est tellement bon. Ah, délicieux. Imaginez un peu cette stupidité, mon Dieu. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est une bêtise, ça, hein? Qui voulez-vous? Qu'est-ce que c'est, hein? Qui t'a dit de te faire? Ta place! Vas-y! Frappe-la très fort! C'est quel est ce sommet? C'est trop la torche! Attends! Bonjour mon prince, oui, il y a la bagarre là-bas dans le palais. Qu'est-ce que tu veux dire que ma soeur? Ils sont en train de se battre là-bas. Qui se bat? C'est tout le monde mon prince, allez-y. Laisse-moi! Arrête! Qu'est-ce que tu prends avec toi? Tu crois que c'est une fille? Laisse-moi faire! Qu'est-ce que tu fais? Ma soeur, ça suffit.
Ça suffit. Allons-nous-en, allons-nous-en. Uzodima doit payer pour ce qu'il a fait. Lui et sa misérable maman doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait à ma sœur. Je les promets. Uzodima. Imagine un petit garçon. Ces petits rats. Cette chaîne. Uzodima ne sait pas ce qui arrive sur son chemin. Il n'a pas du tout aucune idée. Tu sais, ce garçon, je l'apprendrai une leçon qu'il n'oubliera jamais dans sa vie. Je m'en chargerai de lui, sans pitié. Tu dois être avec lui, côte à côte. Comme s'il ne me connaît pas. Vous devez tous savoir qu'il n'y a personne qui peut me faire du mal, puis il reste libre. Je te le promets, je vais m'en charger de Uzodima. Côte à côte. Je n'ai jamais vu ça avant. Hein? Les sangs contre le sang? Hein? Tout ça, c'est à cause du trône. Ils ont tous oublié leur père sur le point de mourir. Même après tout ceci, ce trône restera. Mais ce que le prince Uzodima a fait, est-ce que c'est bien? On lui avait dit la propriétaire de la nourriture, mais il a insisté pour la prendre par force. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Lolo, il faut manesser, mais pas de rendre les choses faciles. Elle soutient toujours son fils. Je suis très désolée pour le roi. Le roi Kenda est un homme bon. Il ne mérite pas ce qui arrive à sa famille actuellement. J'ai donné mon point de vue. Je ne veux pas que l'un de nous ne perde sa vie ici. À cause de leur bagarre, je ne veux pas mourir dans ce palais. Personne ne se soucie du roi, même pas la reine, d'aller même lui rendre visite. Tout ce qui les concerne, c'est se battre seulement entre eux pour le trône. Ce qui était un palais heureux est maintenant devenu un champ de bataille. Mes princes, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Nous sommes à l'hôpital, je vous en supplie, s'il vous plaît. Ichiokeke, as-tu déjà essayé de parler à tes neveux? Je leur ai parlé à ma capacité en tant que Nohu, aussi comme l'ami de leur père. Mais ils ont tous fini par se battre. Oh Nohu, il n'y a rien que je n'ai jamais fait. Et je t'assure avoir tout fait, mon chef, pour ramener la paix dans la maison de mon frère. Mais cela n'a pas marché. Je n'ai jamais vu des gens dans ma vie aussi désespérés. Et si égoïste comme le fils de mon frère. D'ailleurs, le roi s'en fout d'eux. Vu comment les choses se passent, ils finiront à perdre ce trône pour Ichiokore. Honnêtement. Oh non, je jure par les dieux. Si mon grand frère arrive à rejoindre les ancêtres sans nommer un successeur, et que ma famille perdait ce trône,
vers celle de Corée. Je vais enseigner à ces enfants une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je leur donnerai une leçon. J'ai entendu qu'ils se sont battus encore. La fille a eu des blessures. Hein? Je veux parler de tout ça. Ils sont même hospitalisés. Hey! Ils étaient à l'hôpital et si ce n'est que hier qu'on les a fait sortir, hein? Les deux. À l'hôpital? Oui! Hey! Où est-ce au bout du coup? Ces enfants. Où est-ce au bout du haut? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce genre d'enfants à mon frère? Regarde ces dangers et ils s'en foutent tous. Ma princesse, il est vraiment merveilleux de te voir. Yeah, yeah. Alors dis-moi, comment ça va? Oui, ça va. Très content d'être avec toi. Oh mon Dieu! Tu es très bien, tu sais. Alors, Steve, tu as vraiment le courage, hein? Tu as les kilos. Les kilos de venir avec cette Vera dans la maison de mon père. Elle est semblable à une chienne. Elle n'est pas différente d'une pute. Comment oses-tu perdre ce courage? Calmez-vous, ma princesse. Tu t'as vraiment autorisé. Si tu veux pas que le pire t'arrive maintenant, pars. Je dis pars. Il ne partira nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Steven a dit qu'il ne veut plus de toi. Ne peux-tu pas passer tranquillement? Écoute, si tu ne pars pas, je te donnerai ce que tu veux. Sors! Reste là! Tu es vraiment stupide. S'il te plaît, apaise-toi, Toi! Ah, ah, allez, sors! Laisse-le! Laisse-le, je te dis n'importe quoi! Mais c'est quoi ce courage? Qui lui a donné la permission de côtoyer l'homme que toi, tu aimes? C'est quoi? Maman, je vois que Joanna cherche la bagarre. Et moi, Salomi, je la lui donnerai. Personne, inclus elle, peut t'intimider dans ce palais. Tu as besoin de ton homme. Le monsieur leur a déjà dit, il n'est plus intéressé. Elle est en train d'essayer de l'obtenir par force. Et quelle bêtise! Vous savez quoi? Peu importe ce que ça va prendre pour garder cet homme. Fais-le. Toi, écoute-moi et écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu me verras près de mon homme et que tu oses faire ce que tu as fait aujourd'hui, crois-moi, tu n'aimeras pas ce qui va t'arriver. Ferme ta bouche, sale trou. Tu sais, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute à Steve qui a voulu me mélanger avec une stupide comme toi. Regardez celle qui parle. Il t'a rejeté? Oui, il t'a abandonné. Il est tombé amoureux de moi. Il t'a rejeté? Il t'a abandonné? Laisse-moi être plus clair avec toi. Toi, sache que ta relation avec Steve ne marchera jamais. Tant que je serai en vie. Tu m'as entendu? Folle. Alors on verra. Toi, espèce d'une folle. Mais va chez lui. Tu te donnes toi-même à un homme. Mon homme? Comment oses-tu? Comment oses-tu, je te dis? Fais attention. Je te mets en garde. Je t'ai perdu. Je te parle et tu continues. Je dis, fais gaffe. Fais gaffe, sinon tu verras ce qui fait ça. Qu'est-ce que toi? Si tu continues, tu verras. Arrêtez ça. Pour qui vous prenez? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Laisse-moi te dire, fais gaffe. Ne me montre pas tes doigts. N'ose plus jamais le faire. Le problème, c'est quoi? N'ose plus le faire, Hein? C'est quoi? Pourquoi vous prenez dans ce palais? Mon frère, pour être sincère avec toi, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil avant dans ma vie. Un palais royal. En fait, comment est-ce qu'un palais royal peut être sans pitié? J'ai été informé que tu as rompu avec princesse Joanna. Et maintenant, tu veux prendre princesse Salomi. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ceci ne réussira pas. Mon frère, je n'avais pas vu cela venir. Sincèrement, je n'avais pas vu cela venir. Et présentement, j'en ai marre. J'en ai marre.
Je ne veux rien qui puisse me connecter à ce palais encore. Je ne rentrerai plus jamais là-bas. Je ne veux absolument rien avoir avec eux. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Cousin, père, n'est-ce vous j'ai jamais parlé plusieurs fois? N'ai-je jamais envoyé des gens vous parler? Vous parlez vous deux? Je pensais que maintenant vous vous serez réconciliés comme des frères de sang et décider qui va se retirer pour l'autre. Je pensais qu'on n'en serait plus où on est. Père, je suis ton premier fils. Je connais mon jour de naissance. Et je ne vais absolument rien laisser à qui que ce soit. Et ça de manière claire. Et donc, ce n'est pas possible. Tu continues toujours à faire la conversation avec ces stupides. Au lieu de moi. Hein? Hein, papa? Je ne l'accepte pas. Hein? Écoute, ok. Tu ne peux jamais être plus âgé que moi. Je suis ton frère aîné. Oui. Écoute, écoute-moi attentivement. C'est ce que je t'ai dit. Je suis la prochaine victime. Tout le monde le sait. Même notre papa le sait. Je suis ton grand frère. Je suis africain. Je me ressemble à mon père. Mais toi, tu es un étranger. Tu n'as rien de ressemblance. Alors tu ne peux jamais, dans cette vie, même dans ma vie prochaine, être roi de ces royaumes. Et tu coudis, mon petit frère. Tout le monde te connaît à cause d'une chose. C'est parce que tu n'arrives jamais à des endroits où tu n'es pas voulu ni invité. Et comme tu peux le voir, il y a le grand roi qui a une discussion importante avec son successeur. Maintenant, j'apprécierais si tu quittais cet endroit. Et cela signifie, prends la porte. Petit garçon, j'aime ta façon de parler. Mais pour ton information, je suis la prochaine victime. Alors s'il y a celui qui va quitter cet endroit, c'est toi qui quitteras. Moi, je ne pars nulle part. Et ne m'approche pas. Quitte ici maintenant. Papa. C'est à toi que je demande de quitter. C'est toi qui vas partir d'ici maintenant. Je ne sais pas. Papa. Père. Papa. Père. Papa. Père. 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 Papa. Père. Papa. Père. Non. Papa. Hey. Tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Non, je le savais, meurtrier. Je le savais. Tu es un lâche. C'est toi tu es maudit. Ne t'enfuis pas. Tu l'as tué. Tu es un meurtre. Tu l'as tué. Papa, tu l'as tué. Attends, tu feras la prison. Tu l'as tué. Père, réveille-toi, père. Tchoukoudi, reviens ici. Tu as tué mon père. Tchoukoudi, reviens. Viens. Alors, je suis vraiment heureux d'avoir cette discussion avec toi pour l'intérêt de notre royaume. Merci beaucoup. Et cette famille est vraiment reconnaissante vis-à-vis de ton soutien. Ce fut vraiment d'une grande importance. Tout à fait. C'est le cri d'Ichokore. Hey. Oh mon Dieu. Igwe Kenda le grand hirondelle. A dû rejoindre les camps des ancêtres. Igwe est mort. Odogu. C'est un son qui vient du palais. Igwe est parti. Finalement, je serai le roi de cette communauté. Hey, ma belle femme,
la future reine de cette communauté. Prépare quelque chose de délicieuse pour moi, oh. Je viens faire la fête. Aujourd'hui, le grand arbre d'Iroko a dû rejoindre le camp des ancêtres et passer de notre monde à l'au-delà. Higwe Ikenga, un grand homme. Il était un grand homme. Tous vous le savez. Les dieux de nos terres vous récompenseront tous. À cause de votre attitude de porter à cœur ce grand homme qui est parti.
Maintenant, le roi est mort. Maintenant, là, il s'échange avec ses ancêtres. Il est mort sans pour autant annoncer l'un d'entre nous étant son successeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que cela signifie que nous avons perdu le pouvoir? Et cela veut dire automatiquement que le trône ira dans la famille de Koye. Pas si rapidement. Vous deux avez encore l'opportunité de montrer de quoi vous êtes capable. Alors, si vous n'arrivez pas à bien faire ces deux épreuves qui vous ont été confiées, là, je pense qu'ils pourront conclure que le trône ira bel et bien dans cette famille. Alors, dis-moi, comment allons-nous être testés? Comment ça sera fait? C'est ce que j'allais aussi demander. C'est le chef prêtre qui va prononcer cela lorsque le temps arrivera. Ça, c'est le meilleur moment si tu veux prendre le trône. Tu dois entrer dans le jeu maintenant. Tu dois faire quelque chose, suggère quelque chose. Tu dois te rassurer qu'ils prennent le trône. Exactement. Voilà pourquoi j'avais pensé à un plan. Ça, c'est notre dernière chance. Alors, on ne peut pas mal jouer ce plan. Tout à fait. Ceci sera une dernière chance pour succéder au trône que leur papa a laissé. Je suis sûr, ils vont planifier pour ne pas échouer. Mais ils le feront. Je vous salue, les anciens. Nous voici présents. Ça, c'est le cinquième jour depuis que notre grand roi est passé vers l'au-delà. J'ai convoqué cette réunion car c'est très important pour que nous trouvions la personne qui va succéder au trône qu'a laissé notre roi Ikenga en tant que son successeur et comprendre ce qu'il va entreprendre. Très bien dit, Onoru. Très bien dit. Si je peux demander, avec qui de ces deux garçons aurons-nous réellement cette réunion? Parce que les deux sont susceptibles au trône. Et qui? Exactement. Exactement. Et vous savez, nous ne pouvons pas avoir cette réunion avec tous deux. Bam! C'est ce que dit la tradition. Justement. En fait, où est-ce qu'une telle réunion est tenue pour que les deux soient présents? Ça ne doit être qu'un seul. C'est comme ça qu'on fait les choses, en conformité avec nos lois. Les anciens de ce grand royaume, je vous salue tous. J'ai dû entendre votre conversation, Ladeo. Question de voir qui est couronné d'entre nous deux. Mais je suis ici pour vous faire savoir que moi, le
la seule personne à avoir accompagné mon père dans le monde des ancêtres. Je devrais être le prochain roi du royaume des Oumu. Mensonge. Tu es un grand menteur. Ouzo, tu es autre qu'un petit garçon. Meus anciens, si vous avez affaire avec ces vauriens, ces poltrons, ces fous, c'est illégal. Les anciens du royaume des Ezudo, vous savez que je représente la paix et l'unité. Cela veut dire je suis légal. Pour votre information, je suis le prochain roi. La prochaine personne qui succédera mon père, mon défunt père Igwe Ikenga, le 13e de ces royaumes. Et cela ne peut pas échouer. Vous savez pourquoi? Car je suis la prochaine victime. Oui, je l'ai dit clairement que je suis la grande prochaine victime. Alors le trône est à moi et non à ce inutile et sans ambition qui est ici. Vraiment, mon jeune frère. Juste un peu de respect. Un peu de respect envers le trône ainsi que ses anciens. Tu ne peux pas venir ici devant eux pour blasphémer. Tu n'es qu'un bâtard. Ferme ta bouche, toi. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Pardon, arrêtez. Ne commencez pas ces bêtises maintenant. Ah, c'est quoi ça? Écoute, n'ouvre pas ta bouche au moment où je parle. N'ose plus le faire encore dans ta misère vie. Je suis la prochaine victime, c'est clair. Je suis la prochaine victime, tu es qu'un petit garçon. Est-ce que tu peux respecter ces anciens? Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Nous sommes là pour trouver la solution. Calmez-vous, mes princes. C'est quoi ça encore? Quand vont-ils arrêter de se battre comme des enfants? Écoute, je te l'ai dit. Mes princes, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qui te dérange, toi? Je sais quoi, c'est moi qui vais les voler à ces drones. Écoute-moi. D'ailleurs, tu n'as pas le même sang que je. Tu n'as pas même le sang de mon père, tu n'as pas mon frère. Alors, ne fous pas, bande de poltrons, je vais te faire du mal, vagabond, fou, que tu es sans valeur. Ono, je suis le roi de cette terre. Je suis le roi de ce royaume. Tu ne peux jamais être roi. Je suis le prochain roi de ce royaume. Poltron, tu ne peux pas être un roi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux jamais être un roi. Je vais tu ne peux jamais l'être. Tu ne peux pas être roi. Tu es qu'un gamin, tu ne me feras rien. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu vas me faire quoi? Tu fais quoi ici? Non, mais vous devez écouter moi. Sachez bien que le chien aboie et la caravane passe. Savez-vous combien nous avons souffert pour ce trône? Le trône de nos grands-parents? De nos défunts parents? Voulez-vous tout foutre en l'air, vous deux? Vous voulez le faire vraiment? Vous rendez-vous compte de combien vous êtes stupides? Je te tuerai un jour. Blague avec moi. Est-ce que vraiment ils se rendent compte de la peine qu'ils infligent à cette famille? Peux-tu imaginer vraiment ce genre de honte? Hein? Et sincèrement parlant, je suis vraiment convaincu que quoi qu'il ne marche pas dans cette famille actuellement, n'est pas ordinaire. Oh oui, mon cher, je suis vraiment convaincu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec eux. Et si ce n'est pas le cas, alors dis-moi, comment est-ce qu'une famille royale peut être si désorganisée qu'ils sont capables de se battre et arriver à se déshonorer à tout moment et n'importe comment? Laisse-moi te dire, je pense que les dieux veulent me favoriser. Oui, car dis-moi, si ils ne se battent pas, ils ne se disputent pas, comment deviendront-ils un roi? Dis-moi, tu ne veux pas que tu sois les prochains honneurs? Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais dit à ma femme de me faire une soupe délicieuse. Oh. J'ai lui dit aussi de me chercher le vin de palme frais. Attends, attends. Comment? Ça fait longtemps. Comment tes affaires? Comme tu peux bien le voir, nous bénissons Dieu. Ada. Comment va la famille? Nous allons bien. Nous allons tu as bonne mine. Dada, tu connais cette femme-là? Oui, elle s'appelle Sally. Y a-t-il un problème? Elle ressemble à Foma, l'ancienne femme du roi. Je doute fort que ce soit elle. C'est bien elle. Donc elle est dans ce village. Je le cherchais partout. Elle était vraiment ma meilleure amie. Excuse-moi, je vais lui parler. D'accord. Ok.
Machi. Alice. Machi. Alice, ça fait vraiment longtemps. Je t'ai cherché partout. Je suis là. Comment va Ono? Il va bien, ma soeur. Je suis heureuse de te revoir. Vraiment. À ce niveau que ces gens ont emmené ce problème. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Peut-être que ce qui était arrivé à leur mère n'était pas du tout une bonne leçon pour eux. Je vais donc faire quelque chose qu'ils vont regretter toute leur vie. Et personne ne saura le trace de leur mort. Si c'est à ce niveau qu'ils ont emmené ces problèmes, alors on fera la même chose. Je vais vraiment aller au Chukude et c'est avec fait immédiat. Non. Non, fils. Laisse-le à moi. Tu vois ça? Je vais m'en charger. Ils me verront. Je veux leur montrer ma folle gloire royale. Je ferai qu'ils voient ma folle gloire royale. Je ferai de sorte que ils puissent voir. Commence à m'appeler après avoir passé beaucoup d'années hors de mon royaume. Alors, rester loin de son peuple. Aujourd'hui, je me rappelle que peu importe le temps où j'ai fui mon passé, ça finira toujours par te rattraper. Je pensais que rien ne pourrait me faire retourner sur cette terre. Mais avec la mort de Igwe Ikenga, et après tout ce que j'ai entendu, qui s'est passé là-bas. Maintenant, il est temps que mon fils puisse dire la vérité sur son origine et qui est son vrai père. Seigneur, comment je veux gérer ça? Est-ce qu'il va vraiment comprendre ça? Après tous les mensonges que je lui avais fait gober, avec lesquels il a vécu toutes ces années. Oui, mon mari. Tu viens du royaume d'Obanza. Comment ça va là-bas? Comment va ta sœur ainsi que sa famille? Oui, elles vont tous bien. Ah, oh. Elles vous ont salué. C'est bien, c'est vraiment bien. Naï, hein? Devine celle que je vis au marché.
Qu'est-ce que ça peut être? Naï devine, non? Ah, je n'arrive plus à deviner. Pardon, dis-moi. Naï, hein? Obidia, la première femme du roi, celle qu'elle avait renvoyée. C'est vrai ça? Tu as vu Obidia? Naï, j'ai vu Obidia. Ça fait un bout de nuit, très longtemps. Elle vit toujours dans le royaume d'Obazo. Oui, Nayo. Elle a dit qu'elle habite là-bas, avec son frère, qu'ils sont juste à trois là-bas. Après la mort de son frère, elle est restée là et elle a pris soin de ses affaires et a continué à les faire. Hey, Obidia, elle était très une bonne femme. Une très bonne femme, Nayo. Si ce n'était pas à cause des problèmes de mon défunt ami qui continue à me déranger, ce mariage serait résolu. Hey. Je souhaite qu'elle mette au monde un garçon, juste un garçon. Vraiment, ne serait-ce qu'un. Et le plus âgé que le deux princes qui semblent troubles dans ce royaume. Je crois qu'on aurait résolu le conflit qui se passe entre les deux princes. Je pense qu'il n'y aurait pas aucune différence encore. On aurait déjà mis en place le pouvoir. Hey. Je lui ai parlé de la mort du roi Kinga. Elle a dit qu'elle viendra pour l'enterrement. Hey. Il vient à l'enterrement. Hey, je suis encore impatient de voir Obidia. Hey, elle a dit qu'elle viendra. Obidia. Maman, c'est quoi le problème? Depuis que je suis revenu du travail, tu es juste comme ça. Tu n'es pas dans ton assiette. C'est quoi le problème, maman? Il y a quelque chose qui te dérange. Maman, dis-moi, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Maman parlait, hein? J'ai dit bien, mon fils. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, non, maman? S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je t'ai menti pendant toutes ces années. Je t'ai fait gober des mensonges. Mais non, qu'est-ce que c'est, maman? Continue. Tu n'es pas de ces royaumes. Tu es du royaume des Igwe. Maman. Ton père est Igwe Ikenga, le défunt père Igwe Ikenga II. Dans le royaume d'Izido. Maman. Es-tu sérieuse de ce que tu dis? Oui, je suis sérieuse. J'étais en train de te mentir toutes ces années. Après notre séparation avec ton père, à cause de la façon dont il me traitait, j'avais vraiment décidé de ne plus rien avoir avec lui. Voilà pourquoi je te dérangeais pour tout couvrir. Mais maman, attends. Qu'en es-tu de la tombe où tu avais enterré papa? Ça, ce n'est pas la tombe de ton père. Ça, c'est la tombe de mon défunt petit frère avec qui... je restais ici. Ton père, c'est Igwe Ikenga. Il vient de mourir et il n'est même pas encore enterré. Après notre séparation, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est après 3 mois que j'avais découvert que j'étais enceinte. La vérité est qu'il ne sait même pas que tu existes, même pas l'un de ses frères ou ses amis. Eh oui. Hey, maman. Je suis désolée. Je suis très désolée, s'il te plaît. Excuse-moi. Maman, j'ai eu froid. La raison de cette réunion est de rappeler à cette famille royale que ça, c'est le 6e jour depuis que le roi est mort. Par notre coutume et tradition, la mort du roi est gardée sans intérêt jusqu'au 6e jour. Alors, ça serait un grand tabou. Alors, les restes des jours sont les jours de grâce, principalement ceux-là qui sont supposés succéder au trône, de faire ce qui sont nécessaires pour eux, ou ces trônes
Ura a une autre famille. Oh non. Nous sommes obligés de respecter ce que la tradition nous exige. Mais laissez-moi vous rappeler. Ce trône ne sera pas déplacé d'ici parce que mon défunt mari a des enfants. Mon fils Isodema va succéder à son père. Mensonge. Mensonge jusqu'à la moelle épinière. Le seul roi que nous avons ici, c'est mon frère, le prochain grand roi. Le seul. Maintenant, vous deux, écoutez-moi. Je ne vous permettrai pas de livrer votre spectacle honteux ici. Et maintenant, nous avons des choses beaucoup plus importantes que ça. Peut-être que vous n'êtes pas à deux courants que Akede va nous briefer demain. Permettez-moi que j'explicite encore. Par notre tradition, si le roi est mort sans pour autant annoncer son successeur, et les disputes à propos de celui qui va succéder à son trône, le contenu est envoyé à la terre du roi. Et c'est les dieux eux-mêmes qui en trouvent la solution. Celui qui est choisi rentrera avec le sceptre, qui signifie que les dieux l'ont choisi à succéder le roi qui est mort et diriger son peuple. Mes salutations, mes anciens. Mon nom est Alice et mon mari m'appelait Obidia. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis la première et l'ex-femme de Igwe Ikenga. Et lui ici, c'est Doubem, mon fils. Le fils du défunt Igwe. Ce n'est pas possible. Mon défunt mari ne m'avait jamais dit qu'il avait un fils quelque part. Mes anciens, s'il vous plaît, êtes-vous au courant de ça? Alors, femme, de quoi est-ce que tu parles? Oui, je te reconnais en tant que la femme de notre défunt roi. Mais, les fils dont tu réclames que c'est pour notre défunt roi, mon cher, tu n'acceptes pas. Non. Exactement, il y a quelque chose qui ne va pas clair ici. On ne va pas accepter un point de vue quelconque. Mon défunt père a un enfant qui doit lui succéder. Et c'est mon frère ici, le prince Chikudi, le prochain grand roi. Mets ton fils hors d'ici, s'il te plaît. Pars. Sinon. Sinon tu vas recevoir ce que tu veux. Dehors. Eh bien. Il y a une manière de trouver la paternité d'Obem. Excuse-moi. Et cela va clore ce problème. Oh non. De quoi est-ce que tu parles? Hé, Ezemo, pardon, je vois qu'il y a une erreur quelque part. Peux-tu, pardon, recommencer cela encore? Es-tu en train de douter des dieux? Quel dieu? Je m'étonne. Quel dieu que vous parlez à propos? Comment oses-tu? Ezemo, je suis désolé. Désolé. Oh, est-ce que nous pouvons remercier les dieux pour amener ces garçons au moment opportun? Car il peut mettre fin aux crises qui règnent dans notre royaume. Hé, hey, soyons ensemble. Hey. Bon. Je peux maintenant être en paix et déjà envie de danser. J'ai envie de danser. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un homme joyeux. Malheureusement, le voyage vers la terre de roi
aura encore lieu demain. Je l'ai dit. Vous n'avez pas encore dit un autre mot. Or, nous avons occupé aussi que c'était son défunt père. Oh non, tu ne crains pas les dieux? Et tu es en train de défier les dieux? Ok, je suis d'accord. Les dieux insistent que ce voyage ait lieu. Il lui a écouté. Les dieux de nos terres. Mais il est hors de question que je croie à cette procédure d'Akili. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui s'est arrangé avec ces sales débiles pour passer comme le fils de mon père. Tout ça à cause de mes attentes qu'il y a dans ma famille. Maman, j'ai l'impression qu'ils ont emmené un ennemi pour empirer la situation de cette façon. Bien, ça allait être un problème si Akidi, les anciens, et Onohu insistait à ce que cet enfant soit couronné. Mais comme ils sont en train d'insister à ce que vous tous devez faire ces voyages de la royauté, ils ne vont pas arriver sur ce point. Et que comptes-tu faire? Laisse-le à moi. Vous devez me le laisser. Je ne reviendrai pas si tôt. Puis-je venir avec toi? Maintenant, ce n'est pas nécessaire. J'ai peur. J'ai peur pour la première fois, la prochaine victime a eu peur. La chance d'être le prochain roi de ce royaume graduellement dort dans mes mains. Qu'allons-nous faire? La musique a totalement changé en une mauvaise chanson. Il y a beaucoup de questions qui passent dans ma tête en ce moment. Qu'allons-nous faire si notre frère n'est pas choisi roi? Qu'allons-nous faire s'il partait et que les anciens ne lui donnaient pas ce qu'il faut? Qu'allons-nous faire si... Oh, s'il te plaît, et la ferme, Johanna, si tu n'as rien à dire. Laissez-moi penser. Nous venons de très loin pour perdre. On ne perdra jamais. Jamais. Je ne sais pas comment il peut trouver même la mort. Je sens une forte colère en moi qui me pousse à l'étrangler. La colère me pousse même, tu sais, lui couper sa tête, la donner au vautour. Je ne sais pas. À l'allure où vont toutes ces choses, que vas-tu faire? Parce que je vois que les choses sont empirées et on n'a plus beaucoup de chance. Ce garçon qui est venu est vraiment le garçon qui doit succéder à son père. Je te suggère de laisser tomber cette ambition. Ichi. Je dois penser, si on les soutient à ce que j'ai comme ambition. Ichi, à ce point maintenant, tu peux aller. Oui, je dis par. Une situation hésitante va donner un résultat négatif. Wow. C'est le propriétaire de la maison, c'est par où Swens. Oui. Ichi. Tu dois partir. Ichi Maduka, je dis, pars chez toi.
Hein, Jack, je veux que tu viennes chez moi maintenant. Oui, maintenant. Nye, merci pour ton hospitalité. Si ce n'est pas pour toi, qu'est-ce qu'on devait faire? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est bon. Je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. Ton ancien mari, le roi, c'est mon unique frère. Hein? Merci, oncle. Je t'en prie, te bénisse. Et je t'en prie, mon cher. Quand je regarde toute la situation, je ne trouve pas ça vraiment prudent pour toi de rester dans ce palais. Parce que les deux cons qui sont là, ils sont vraiment devenus des esprits qui sont capables de faire n'importe quoi pour récupérer ces trônes. Donc, vous emménager, vous deux, dans ce palais n'est pas une bonne chose. Je suggère que vous restiez ici avec moi. Vous avez raison, oncle. Mm-hmm. D'ailleurs, j'avais pensé à ça. Voilà. Regardez, je vous dirai une chose. Ne soyez pas en colère à propos de tout ce qu'on vous dira dans le palais. Mm-hmm. Et quand j'étais vraiment jeune avec votre papa, notre père, Igwe Ikenda le second, il y avait une chanson qu'il chantait pour nous. Hein? Je ne l'oublie jamais. Et tu as entendu ça? Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que tous ces arrangements vont être faits. Merci beaucoup, oncle. Je vous en prie. Comme je l'avais dit au téléphone, vous devez kidnapper Doubem et Chukudi. Les deux princes ne peuvent pas mettre leurs pieds dans la parcelle royale. Mon fils Ozodema est le seul prochain roi. Je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. Envoie-moi ton numéro de compte, je t'enverrai l'argent dès que je vais arriver à la maison. Tout cela sera fait, votre majesté. On se revoit après le deal. Poudre que vous avez entre vos mains est appelé Ejalo. Ça va ouvrir vos yeux sur la terre du roi et vous dirigera vers l'endroit où le grand prêtre est. Vous ne devrez pas aller ensemble parce que c'est facile, c'est l'individualisme. Toi, tu passeras par le sud, toi par le nord, et toi enfant, tu passeras par l'est. Cette poudre que vous allez manger vous dirigera, peu importe le feu que je vous ai remis. Le plus important, vous n'avez que deux jours de rentrer ici, que celui qui rentrera avec le sceptre sera couronné prochain roi. Maintenant, mangez.
savoir vous diriger vers le lieu précis où vous allez commencer avec votre voyage. Suivez-moi. Par terre, j'ai dit par terre. Même pas bouger. Debout, debout, c'est fini pour toi. Vite, 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 emportez-les, amenez-les, vite. Très rapidement, vite, vite, vite. Oh, Olmé, 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 Olmé. Comment tu n'as pas pu réaliser un devoir simple de kidnapping? Tu n'arrives pas à kidnapper seulement ces deux idiots. Bourse, ce n'est pas assez un travail facile. Nous avons fait de nos miens, nous étions partout dans la bourse.
Nous n'avons pas vu ce genre passer. C'est n'importe quoi. C'est inutile. Hein? C'est de la même manière que vous étiez allé au lieu de tuer Prince Uzodima. Vous étiez allé tuer un garde innocent. C'est ce que je vous avais envoyé de faire. Vous faillissez toujours à votre mission. Pourquoi? Boss, nous avons essayé. Ce n'est pas de notre faute. Ferme ta bouche. Je dis ferme ta bouche. Va-t'en maintenant. Quitte ma maison et sois sûr d'accomplir la tâche pour laquelle je te paye. Aucun don ne peut être permis d'entrer dans la terre du roi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Allez-y. Cette fois-ci, je ne peux pas rater. Personne ne peut mettre une barrière entre moi et le trône. C'est à moi le trône. Majesté. Allô, votre majesté. Allô, Egwegwelegwe. Comment ça a été? Tout se passe très bien du tout. Nous l'avons ici avec nous. Lui ou eux? Nous sommes capables d'appréhender le prince Chukwudi, mais nous ne l'avons pas vu, tu vois? Non. Ce n'était pas ça l'instruction. L'instruction était que vous puissiez kidnapper Chukwudi et Dupin pour que mon fils reste le seul héritier du royaume et qu'il rentre avec le sceptre. Qu'avez-vous fait? Maintenant, écoute. Laissez-moi celui que vous avez kidnappé. Laissez-le. Cherchez-moi Chukwudi ou Dupin, peu importe où il se trouve. Rassure-toi qu'il n'arrive pas dans les sanctuaires royaux. Je sais qu'il doit déjà être en route pour là-bas. Mon fils, il est le seul qui doit retourner avec les sceptres dans ce palais. Entendu? Aucun problème, votre majesté. Je ferai votre volonté. Merci. Dégage! Qu'est-ce que c'est ça? C'est comment, Deli? As-tu retrouvé nos ennemis? Oui, ma princesse, tu vas vraiment nous excuser. Nous n'avons retrouvé qu'une seule personne. Pourquoi? Tu devais kidnapper les deux pour que mon frère soit capable de ramener le sceptre. Oui, ma princesse, nous sommes en train de chercher l'autre prince. Ok, c'est bien. Je te dirai quand est-ce que tu vas le libérer. Je crois que ça sera après que mon frère ne puisse ramener le sceptre à son peuple, qu'il prendra dans les sanctuaires royaux. Ah, c'est d'accord. D'accord, je te verrai avec des gens après. D'accord, ma princesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils n'ont pas été capables d'arrêter les deux princes? Peux-tu imaginer? Oh. Donc, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Je veux dire, tu sais très bien que si on engage un imposteur dans ce genre de dossier, il faut toujours faire un effort de ne pas laisser les traces. Alors, il ferait mieux de finir leur mission en faisant mourir le prince. Voici là les sceptres trouvés pour ce voyage. Alors je pense... Toi, le prince qui sera couronné. Oh, vas-y. Dirige. Dirige ton royaume. Tu es le prochain roi de cette terre. Vas-y, règne.
Comme on l'a planifié, il ne sera même pas nécessaire qu'il arrive à la terre du roi. Comme c'est toi qui gardes le sceptre original, Dieu merci parce qu'on fera tout pour qu'il soit confortablement bien là où il doit être. Il va seulement chercher un endroit pour se cacher et revenir un autre jour pour être couronné roi. Brillant. Tu as vraiment raison. Je t'avais demandé d'arrêter de paniquer. Je t'avais vraiment demandé d'arrêter de t'inquiéter. Tu t'inquiètes beaucoup pour ce garçon. Hein? Naï, n'est pas m'inquiéter comment, hein? Il est le seul que j'ai. En plus, son nom ne passe même pas. Je ne peux que m'inquiéter. Hein? Relax. Je veux que tu comprennes quelque chose. Que Dopé est ton fils et l'élu. Hein? Et les dieux sont sages. Hein? Et si les dieux donnent à un garçon une grande lame, ils vont se lui donner un espace pour le planter. Les dieux de nos terres vont sûrement diriger Dubé à la maison sans problème. Et il va sûrement trouver ce qu'il était allé chercher là-bas. Il sait. Essaie un peu de t'apaiser. Apaise-toi. Dans peu de temps, nous allons fêter. Dieu merci. Prince Chikudi est finalement entre les mains de Mégare. Et très bientôt, ils auront entre leurs mains ce garçon Dubem. Même si c'est lui qui devait arriver ici avant mon fils. Mon fils sera à la tête. Il le sera. Et j'en suis fier. Ça, c'est le sceptre. Maman. Quoi? Écoutez-moi. Tu retourneras de ton voyage de la terre de la royauté avec ces sceptres. Comme il nous est exigé par la tradition que tu dois retourner de là avec un signe qui demande que tu aies le choisi. Je l'ai rendu facile pour toi. Tu dois aller avec ça. Tu vas retourner avec ça. Mais qu'est-ce qui arrivera aux autres? Quand ils auront le sceptre original venant des dieux et que le grand prêtre découvrait que le mien est faux. Aïe. Laisse tout ça à moi. Alors prends ça. Tout au long de ton voyage, tu vas commencer à parler. Tu vas le déclarer. Alors prends-le. Hé, maman. Hé. Mon fils bien-aimé. Mon fils est sur le point d'être couronné roi. Le jeune roi du royaume d'Isido. Qui dira que je ne suis pas la maîtresse de ce plan de jeu? Je suis la maîtresse dans ce jeu. Je leur avais dit, lorsque le roi épouse
une grande reine. Ils verront la royauté couler dans leurs veines. Oh, comment je peux perdre ce petit jeu, hein? Comment je peux le faire? Mon roi sera le jeune roi de ce royaume. Donc, déjà demain, nous allons savoir qui est-ce qui sera notre roi. Je suis heureux que cette hostilité y prenne fin et que nous aurons une air fraîche. Alors qu'en est-il s'ils arrivaient là et que le dieu les rejetait tous? Mon cher, tu sais que ce n'est pas possible. Bon sang. Évidemment, le roi a 3 enfants et l'un d'eux sera choisi. Vous deux êtes d'accord que Dubéou est le fils du défunt roi? Alors tu penses quoi? Il paraît pour moi comme un imposteur. Mes chers, je me rends à mon lieu de travail. Mon fils, sois à l'aise, et tu es mon élu. Le sceptre dont tu as besoin pour être couronné après moi est déjà avec toi. Prends-le et va vite vers mon peuple. Oh non, où? Mon fils ne passe pas. Le téléphone est toujours éteint. Je crois que les gens en route en train de venir parce que je ne veux pas qu'il arrive ici et qu'il trouve quelqu'un en train d'être couronné roi de ce royaume avec les sceptres. Bientôt, Ezemo sera ici avec les anciens. J'ai un mauvais pressentiment à propos. Je prie que mon frère soit bien. Eh bien,
Quoi? J'espère que tu as éteint le téléphone de Chikudi. Bien. Je veux pas que ses sœurs soient en contact avec lui. N'oublie pas. Je t'appellerai pour te dire ce qu'il faut maintenant faire. D'accord, bye. Le numéro de Chikudi est toujours éteint. Il était censé être ici avant la pluie. Oui, il devait être là avant que le prêtre puisse présenter le futur roi. T'inquiète, je suis sûr qu'il est déjà ici. Ok? Chikudi sera ici avant tout même. En effet, il sera couronné le prochain roi de notre royaume. Au fait, je vais appeler les gars pour leur dire de l'attraper avant que tous ces drames ne se terminent. Attends. Allô, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que le gars a son téléphone? Non, nous lui avons arraché le téléphone. Ok, parce que je ne veux pas que sa mère soit en contact avec lui. C'est bien. D'accord alors. C'est bon. Tu vois, tu ne t'inquiètes pour rien. Tout va très bien se passer. Alors, allons à l'intérieur, je suis sûr que les anciens nous attendent. Allons-y. Écoute. J'ai un mauvais pressentiment, franchement. J'en ai. T'inquiète, tout va très bien se passer. Nous devons célébrer. Alors, allons-y vite. Salut, mes anciens et le peuple de mon grand royaume. Salut, oui, nous sommes des anciens et des moi. Hey, mon fils est là. Mon fils femme, est de retour. Retourne hey. Ici. Hey. Oui. Mieux de ne pas écouter cet imposteur. Peu importe ce qu'il peut avoir, ça ne peut jamais, jamais être le vrai sceptre. Mon fils est en train de venir avec le sceptre original que le Dieu lui a donné. Wogi, le fils de son père. Présente le sceptre que tu nous as apporté. Maintenant, recule. Étends ton bras. Oh, non, le roi est là. Ça ne peut pas être possible. Enfin, les dieux sont sages. Ah, ce n'est pas vrai ça. Jamais. Ça, ce n'est pas le vrai sceptre. C'est un imposteur. Silence, femme.
un mot de plus, je vais te frapper de folie. N'en as-tu pas fait assez? Et toi et la princesse, n'en avez-vous pas fait assez? Mais c'est que vous avez échoué de savoir ce que les dieux m'ont révélé toute chose. Ainsi que toi, Ichi et Okoro. Et toi, Lolo, et les deux princesses. Non, on n'a rien fait. Quelle méchanceté! Tu as été exposé! Tu as vu? Comment toute la gloire est tombée? Adora! Ma petite fille! Quoi? Est-ce que vous voyez ça? Vous avez commis un désastre! Sorcier! Silence, tu as le nez semblable à celui du porc! Oui, je le disais, Chokeke. Je t'ai suspecté! Qu'est-ce ici? Va rejoindre ton ami! Rejoins-le! Vraiment, hein? Tu peux l'imaginer? Prince Dubem, tu es l'élu. Et c'est lui que le dieu en fait faveur pour succéder à son père. Et tu deviendras roi après l'enterrement de ton père dans quelques jours. Assure-toi de pénaliser tous ces gens au lieu qu'ils soient bannis. Parce qu'ils devraient être bannis. Je vous salue, les anciens de notre royaume. Salutations. Je vous pardonne tous de vos erreurs. Parce que les dieux sont sages. En ce qui a été écrit. Lolo Ifoma, va libérer mon frère, Chukude. Princesse Adora, ma sœur. Libère mon frère, Ozarema. Ramenez-les. Et que la paix règne dans cette famille. Ensemble, nous régnerons sous ce royaume. Oui, c'est comme ça. D'ailleurs, mon frère sera heureux où il se trouve. Le roi Ikenga repose en paix maintenant. Oui. Igwe, je suis tellement désolée. Désolée pour tout ce que j'ai fait. C'est bon alors. Je suis désolée. Les anciens de notre terre. Je vous ai tous offensés. S'il vous plaît, trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Adora, Johanna, je suis tellement désolée. Je vous avais tellement maltraitée et aussi tué votre mère. Vous étiez censés être mes enfants, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous avais tellement offensé en vous disant des choses qui ne vous avaient pas plu. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, mes enfants, je vous demande pardon. Venez, venez, mes enfants, pardonnez-moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.